Bon les gars, il est, je vais vous montrer, il est 5h56, 57 maintenant. Je me réveille et je vais aller directement à la salle, donc il est plutôt tôt. Je vais m'habiller et on va aller faire les épaules. Donc je vous expliquerai un peu pourquoi je me lève aussitôt, etc. Et je vais vous montrer aujourd'hui tous les compléments que j'utilise actuellement en cut. Donc là je vais me saper. Et on se retrouve juste après. C'est bon. Bon, vous vous en doutez, il est très tôt, donc je vais rien manger. Je vais aller directement à la salle parce que j'ai pas le temps de digérer tout simplement. Et que vu que normalement je fais mon cardio à jeun, bah, je vais pas manger tout simplement. Mais je vais prendre tous les compléments dont j'ai besoin maintenant. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que je prends avant d'aller à la salle du coup le matin très très tôt. Il est 6h, je vais partir dans 10 minutes. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, c'est pas un complément, mais comme d'hab, vinaigre de cidre. Donc pour la combustion des graisses, j'en ai déjà parlé. Je prends du vinaigre de cidre tous les matins. Donc j'ai pas de grammage précis pour le coup. J'en mets un peu au feeling et je vais vous montrer un peu la quantité. Voilà. Donc avec ça, ce que je mets une scoop de The Pré de MyProt. Bon, vous l'aurez compris avec dans la dernière vidéo, chez MyProtéine maintenant, donc vous avez moins 45% en ce moment avec le code AGANGS. Le code change pas mal, donc je vous tiens au courant surtout sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram les gars. Je mets une scoop. Et du coup, ce que je prends avec ça, donc je vais prendre une caps de Thermo-X. J'en prends qu'une parce que là, j'ai mis pas mal de caféine dedans. En fait, le Thermo-X, c'est de la caféine, du guarana et d'autres petits trucs plutôt sympas. Donc, comme de la L-tyrosine, etc. Black Pepper Extract qui est présent des fois dans certains boosters. Et je vais prendre 3 voire 4 caps de carnitine. C'est la carnitine Olympe qui me restait de la dernière fois avant de recevoir la nouvelle MyProt. Mon petit verre, petit Thermo-X que je vais prendre maintenant. Et c'est parti les gars, on va aller directement prendre le bus, séance épaule. Et ensuite j'ai mon cardio à faire. Donc je combine le cardio que je dois faire à jeun et le cardio que je dois faire juste après une séance. Donc je suis à peu près 30 minutes de cardio. Et bah c'est parti les gars. De bon matin, vinaigre de cidre et le booster, ça t'éclate la gueule. Bon, on va à la salle. Let's go. Bon, j'attends actuellement le bus. Mais pour vous dire, si je me lève aussitôt, c'est que j'ai démarré mon alternance, pardon. Et du coup, j'ai énormément de trucs à faire dans la journée et le soir. Donc soit j'y vais très très tôt le matin, soit j'y vais tard le soir. Et d'y aller très tôt le matin, ça me permet en fait d'avoir fait ça dans la journée. Et bah comme ça, c'est fait en fait. Et donc j'arrive à 6h30 à la salle. Et ça me laisse du temps pour faire le cardio, vu que j'ai du cardio à faire et que c'est plutôt long. Ça me laisse le temps de faire ça. Et d'y aller à jeun, bah du coup, je peux manger dès que je rentre et j'ai tout le reste de la journée. Donc bref, le bus il arrive, je le prends et direction la salle pour une séance épaule.
et toutes ces horaires, etc. Pour reprendre un peu avec ça, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est que la cut, c'est extrêmement chronophage. Ça me prend extrêmement du temps, que ce soit la préparation de repas, etc., etc. Vu que j'essaie de faire d'autres trucs à côté. Et du coup, ça me prend énormément de temps. Du coup, ça s'est fait dans la journée. Et j'ai du temps pour faire d'autres trucs, en fait. Et je pourrais lancer d'autres projets, d'autres trucs, etc. à côté. Et bah même taffer, garder encore une vie un peu sociale à côté, genre voir des potes, etc. Sans être du coup impacté par le fait de devoir faire du cardio ou n'importe, à d'autres moments de la journée ou ma séance. Et également le matin, il y a un peu moins de monde. Donc quand tu vas à 6h30, forcément, t'as un peu moins de monde à la salle. Enfin bon, bref. Sans épaule, je vais vous montrer un peu ce que je prends juste avant. Je vais pas forcément parler à la salle, je verrai. Mais par contre, j'ai oublié de vous montrer, mais je prends 40 grammes de malto. Donc ça, vous le verrez, c'est dans mon shaker directement. Je l'ai préparé hier, donc voilà. 40 grammes de malto dans la bouteille. Donc ça me fait des carbs rapides pendant l'entraînement. Donc j'ai pas de... Comme ça, j'ai pas mangé avant. Donc j'ai pas mangé avant, mais j'ai quand même des carbs avec des carbs rapides qui est la maltodextrine. Donc ça, vous pouvez la prendre, les gars, sur MyProtein. C'est un truc vraiment basique. C'est quasiment du sucre, en fait. Et du coup, c'est très rapide à être absorbé par le corps. Et du coup, vous avez pas mal d'énergie directement. Donc ça me permet toujours de garder un très très bon pump pour l'instant. Donc bref, on arrête de parler. Direction la salle, petit training. Let's go. Bon, c'est pas un complément, mais je mets ça en doll sur la ceinture scapulaire. Juste avant toutes les séances, bah, genre épaules, pec ou dos. Tous les trucs du corps. Et je les mets, ça chauffe plutôt vite. Et en fait, ça permet de chauffer vos articulations, enfin, plutôt muscles et articulations, ça aide. Enfin bon, bref, c'est top. Thank you.
become my pet. Voilà une bonne chose de faite. Là, je vais rentrer prendre mon petit déjeuner. Donc, comme d'habitude, 3 tranches de pain, pardon, 4 œufs et 25 grammes de beurre de cacahuète. Avec ça, je prends de la créatine. Donc, je prends pas le shake de whey que j'ai normalement post-workout, plus mon petit déjeuner. Sinon, ça ferait trop de protéines en fait. Je serais à environ 60 grammes de prod directement. Donc, je prends plutôt mon shake de whey vers à peu près 10h30, on va dire. Donc aujourd'hui je suis en télétravail, donc c'est plutôt simple du coup pour mes repas, sinon bah, je ramène mes tubes et du coup j'ai beaucoup de meal prep, donc là aujourd'hui j'ai pas de meal prep à faire, donc ça va, donc je vais rentrer tranquillement. J'ai également des petites courses à faire, du poulet etc. que je dois racheter et des légumes, je vous montrerai ça et voilà, bah, je vais rentrer, donc créatine comme je vous ai dit et mon petit déj, je vais vous montrer ça, je vais pas forcément parler, mais bon bref. C'est cool en fait, de s'entraîner tôt le matin, comme ça vous avez fait votre truc. Là je vais prendre mon petit déj tranquille etc. et je vais pouvoir me poser, et j'ai le temps en fait, j'ai le temps, et ce soir quand j'aurai fini, je pourrai faire ce que je veux, et sortir, etc. Enfin bon bref, ce que je veux, après faut pas rentrer trop tard, ou dormir trop tard, car vous faites des nuits de 5 heures, et c'est pas vraiment ouf, niveau récupération, surtout en cut, où on a besoin de, j'ai besoin vraiment de plus, un peu plus de temps maintenant pour récupérer, parce que du coup la fatigue se fait sentir, mais bon bref, je rentre tranquillement, et je vais prendre mon petit déjeuner comme je vous ai dit, et voilà les gars, et après on va travailler tranquillement. C'est parti. Du coup les gars, je vous reprends ici, donc je vais vous montrer mon petit déjeuner comme d'hab. Donc on a le pain de mie, donc il y a trois trucs, donc je les ai mis comme ça, avec du beurre de cacahuète, donc 25 grammes, 4 œufs, et là donc vous avez mon petit stack du matin, donc comme je vous ai dit, bah, la créatine post-training. Ensuite je prends deux caps d'oméga 3. Essentiellement oméga 3, sinon vous pouvez prendre les super oméga 3, je sais qu'il y a chez MyProtein, vous pouvez en prendre qu'un seul. Ce que je prends aussi actuellement c'est Digest, donc c'est digestion. Digestion pour aider en fait mon corps à bien digérer. Il faut savoir que je suis en jour aujourd'hui. Et donc mon corps en fait c'est un changement assez brutal. Le fait de, après avoir mangé très peu de carbs, etc. et beaucoup de fibres, bah, du coup de remanger pas mal. Donc je prends ça, Digest, j'en prends un à chaque repas. Ça m'aide dedans, il y a des. Comment ça s'appelle ? Dedans il y a des bactéries du coup qui vont vous aider à mieux digérer. Et je prends le multivitamine AZ, j'ai pas encore de vitamine D en spray, ça je le prendrai parce que c'est vraiment excellent, c'est la meilleure forme pour la prendre. Et donc comme je vous ai dit, 5 grammes de créatine, créa pure, labellisé, très important. Et donc voilà, je vais entamer ça et bah, après je vais mettre au travail. Bon du coup les gars, il est midi 25, je vous reprends maintenant pour le repas du midi. Donc ce que je vais faire, bah, du coup ce que j'ai pu acheter, c'est mes 5 kg de poulet. Donc voilà, je les ai achetés, je vais les découper, faut que je les pack encore. Et avec ça, ce que j'ai, bah, j'ai 50 g de riz cru, 5 ml d'huile d'olive, comme d'habitude, ensuite 10 amandes, et j'ai quoi, bah, je vais rajouter aussi des légumes verts. Ensuite, ce sera ça pareil en fait sur les 3 prochains repas, enfin sur les deux suivants, pardon. Donc ça veut dire, j'ai ça environ 3 fois, donc sauf que ce soir je rajoute, enfin je mets de la viande rouge, ça veut dire du steak 5% au lieu de mettre du filet de poulet. Donc en fait ma diète elle est vraiment assez répétitive, du coup je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Si ça vous intéresse vraiment un full day of eating de mes jours hauts, pourquoi pas, mais je vois pas vraiment l'intérêt. Et voilà tout simplement, je pense que le full day of eating ce sera plutôt pour un jour bas où je vous montrerai vraiment comment augmenter vraiment le volume. Mais là comme je vous ai dit, en jour haut j'ai vraiment pas besoin en fait de rajouter trop de volume etc. Donc mes repas ils sont un peu basiques. Mais voilà, sinon en supplément, bah, toujours ce que je prends, comme je vous ai dit, je prends un digestion de chez MyProtein. Des enzymes digestives, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Donc du coup je prends là et sur mes deux prochains repas tout simplement. Sinon comme vous avez pu voir, j'ai pas encore pris ma whey, donc je la prendrai vers à peu près 14h30, 15h. Je prends en ce moment donc l'impact native whey isolate, donc de chez MyProtein, goût natural strawberry. Le goût il est vraiment pas mal, donc natural strawberry c'est vraiment, ça a pas trop un goût chimique,
C'est ce que je redoutais avec certains produits, mais là, c'est de la native. C'est de la Pronative 95 pour ceux qui veulent savoir. Donc, ça vient de chez Lactalis. C'est les mêmes produits pour ceux qui connaissent, par exemple, de Nutrimuscle niveau whey native. Donc, il n'y a aucun souci sur la qualité. J'essaie de, en fait, je prends le maximum de qualité chez MyProtein. Donc, je vous recommande que des produits que j'utilise quotidiennement. J'essaie pas de vous gruger, les gars, à aucun moment. Enfin. C'est pas du tout dans mon intérêt. Donc bref, je prépare mon poulet, mon riz, etc. Et je vais manger tout simplement. Et je vous reprends juste après. Bon, du coup, les gars, pendant que je suis en train de paquer mon petit poulet, je suis en train de le découper tout simplement et retirer un peu tous les morceaux de gras, les morceaux de nerfs, etc. Les trucs qu'on veut pas trop dans son assiette. Je voulais vous parler un peu de mon état actuel en sèche, en fait. Donc, pour ceux qui savent pas, je suis en sèche depuis à peu près juin. Donc, à peu près vers le 10 juin, j'ai commencé la sèche. Donc là, j'entame mon quatrième mois de sèche et c'est pas pour vous dire que ça devient vraiment de plus en plus en plus compliqué. Quand je dis ça, c'est qu'en fait, je commence vraiment à beaucoup plus ressentir la faim, la fatigue. Ensuite, j'essaye de faire pas mal de trucs à côté. Donc c'est ultra, ultra fatigant. Et en fait, pour ceux qui savent pas, j'avais commencé au début la sèche dans un esprit de faire le Summer Shredding Online. Et donc je me dis qu'un peu tous ces efforts d'aller aussi loin dans une cut, sachant que la deadline c'est le 1er novembre, je me dis que peut-être juste faire que ça ou faire que simplement une cut aussi poussée pour un truc comme ça, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Donc à ce niveau-là, je me remets un peu en question, je sais pas trop où j'ai envie d'aller avec cette sèche. Bon, c'est sympa un peu de montrer sa shape sur les réseaux, etc. Quand t'es bien sec, ça me fait un physique un peu de fake natty. En ce moment, mais bon, bref, comme je vous dis, les gars, je sais pas trop où j'ai envie d'aller avec ces shapes. En fait, c'est cool pour soi d'être sec, mais bon, j'aurais aimé vraiment un vrai objectif derrière. Donc, bon, tout à l'heure, j'ai prévu d'aller voir Alex. Donc, on va aller lui parler. On va essayer de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à nous. Je vais vous tenir au courant sur tout ça. Mais sinon, bah, pour vous dire, quand même, pour toutes les personnes qui me demandent en DM comment ça va en ce moment, etc., au niveau de la sèche, bah, ça devient de plus en plus dur. Comme vous savez, bah, les quantités se réduisent, etc. De plus, enchaîner pas mal de cardio, c'est-à-dire les 15 minutes de cardio à jeun plus les 20 minutes de cardio que j'ai post-training, ça devient vraiment de plus en plus dur. J'ai toujours un petit pump, mais bon, je ressens vraiment que la fatigue arrive et donc j'ai pas envie de me blesser ou n'importe. Et donc, on va essayer de revoir un peu toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour voir un peu quoi faire de cette shape. Comme vous pouvez voir, je suis en train de tout couper. Ensuite, je vais tout peser et mettre au congélateur la plupart des trucs. Mais sauf que je vais garder du coup mes 300 grammes que j'ai à manger aujourd'hui. Ensuite, je vais les cuire au four, je pense, ou à la poêle, je verrai. Je vais faire mon riz, etc. Mais ça, je vais pas vous forcément montrer parce que c'est pas ultra intéressant. Et je vais manger tout simplement. I was living good. They say I'm trouble, but maybe I'm just misunderstood. And I still wish a bitch would. 6.5 hours later. Il est trop mlah. Ça va? Ça va? Contact the Power Rangers at once. Bon, du coup, j'ai rejoint Alex aux Tuileries. Je vous ai pas montré mon outfit, mais j'ai mis les fameuses Off-White, les Dunk Off-White que j'ai gagné là, le lot 34, je crois. Je me souviens même plus. Je les ai mises. Il y a le BG. Et du coup, bah, on va vous parler un peu de la suite dont je vous ai parlé plus tôt dans le vlog. Voilà, c'est à peu près tout. Il fait ultra beau et tout. C'est des beaux jours. Septembre, c'est vraiment sympathique. Donc, je vais vous montrer ça. Sinon, ouais, on est aux Tuileries. Pour ceux qui connaissent, forcément, tu connais, c'était à Paris. Donc, voilà. On va parler de tout ça. Bon, du coup, je vous avais dit qu'il fallait qu'on parle de la suite. Donc, faut savoir que je suis en sèche depuis début juin. Donc, à peu près le 5 juin, je crois. Ouais. Ouais. Et donc, le premier objectif, c'était le Summer Shredding Online. Donc, Summer Shredding Online, pour ceux qui connaissent pas, en fait, le Summer Shredding, c'est un show proposé au Texas par Christian Guzman. Bon, moi, je peux pas aller jusqu'au Texas, donc j'allais pas la faire en live. Mais du coup, c'était un concours, en fait, de transformation. Donc, vous partez d'un point A à un point B sur certaines dates. Et la date butoir, c'était le 1er novembre. Donc, la date qu'on a fixée pour l'instant, c'est le 1er novembre, donc la fin de la sèche. Sauf que, comme je vous ai dit juste avant, je sais pas trop, en fait, si...
fait, faire tous ces efforts pour juste un truc en ligne, c'était vraiment judicieux et genre faire tout ça pour ça, en fait, je savais pas, c'était vraiment très intéressant. Là, mon niveau de sèche, il est vraiment assez poussé pour une simple sèche, en fait. Donc, imaginons, si j'avais voulu faire une sèche normale, je pense que je me serais arrêté là. Ça m'aurait suffi, tu vois. Je suis déjà assez, en déficit. On est bon, là. Et, mais du coup, vu qu'on voulait aller plus loin, donc avec la date du 1er novembre, on a réfléchi un peu, du coup, à ce qui était possible de faire pour vraiment, voir un peu tous les résultats d'une sèche vraiment poussée. Et du coup, on en a parlé là. Et donc, ce qu'on a dit en off, on va vous les dire maintenant. Et donc, on pense très sincèrement, du coup, à faire un show, un vrai show. Donc, passer d'une sèche à une prep, donc une vraie préparation physique pour, du coup, une compétition. Donc, on va regarder les dates, etc. Mais ça sera vraiment dans les eaux du 1er novembre pour, bien sûr, en fait, être en accord, du coup, avec ce qu'on a dit. Et après il faudra voir les catégories, bien sûr améliorer le posing, c'est très important. Et du coup là, ce sera pas juste faire du posing plutôt cool pour envoyer à Christian Guzman sur le Summer Shredding Challenge, tu vois, mais il va falloir voir tout ça, ouais. Et vraiment pouvoir adapter la suite à une vraie préparation pour une compète et pas juste du coup une simple sèche. De toute façon, comme on avait dit déjà la dernière fois après la séance là, eux ils le savaient pas, mais on avait déjà amorcé le truc depuis un moment déjà, donc c'est pour ça qu'on avait commencé à parler donc des recharges, les décharges, etc. Ouais. Parce que ça, en soi, en sèche, quand c'est juste entre guillemets pour aller à la plage ou quoi, ça sert pas à grand chose d'aller jusque là, en fait, c'est vraiment poussé. Et donc ils vont pouvoir voir vraiment l'envers du décor, ouais. Et on va vraiment pouvoir rentrer dans le vif du sujet et vraiment expliquer effectivement pourquoi les recharges à tel moment, etc. Comme on l'avait dit là, donc ça va aller très vite, parce que bon, en soi, si on reste autour de la date du Summer Shredding, grosso modo, il nous reste quoi, 8-9 semaines? C'est ça. Donc ça va aller vraiment vite. Ça fait que 2 mois sur le papier, mais 2 mois, ça va très très vite. Surtout comme ils ont vu la condition, elle avance comme un TGV là. C'est ça. C'est très très bien parti. Ouais. Donc là, on va vraiment pouvoir détailler vraiment l'objectif final qu'on s'était fixé et qu'on avait un petit peu gardé pour nous. Donc ça va être d'autant plus intéressant pour vous et pour toi aussi, du coup. Ouais. Donc ça va être pas mal, je pense. Bah, c'est ça, en fait, clairement, c'est du coup pouvoir montrer vraiment tout le résultat sur scène. Donc ça va vraiment être cool. Ouais. Et du coup, pouvoir vous faire suivre tout ça, je pense que vous allez kiffer. Je vais essayer de faire vraiment un maximum de contenu, du coup, sur ces 8-9 dernières semaines. On va encore voir par rapport aux dates, etc. Mais voilà, c'est plutôt cool. D'ici 2 jours, d'ici demain, normalement, j'ai une bonne recharge. Donc ça va être plutôt sympa. Et après, on va essayer d'adapter tout ça et j'essaierai de vraiment tout vous partager sur ça. Parce que je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant. Une vraie cut et donc une vraie préparation, etc. Nati, il n'y en a vraiment pas sur Internet. Enfin, en France. Alors que bon, en Angleterre, etc., il y en a pas mal, mais du coup, il n'y a vraiment pas trop ça en France, et donc je vais pouvoir vraiment vous détailler, etc., même un peu mon ressenti sur tout ça, que ce soit mon état, etc. Là, vu que c'est la fin en soi, il reste 2 mois, c'est vraiment le moment où ça va vraiment commencer à vraiment être dur. Pour l'instant, je n'ai pas ressenti trop de faiblesse par rapport à tout ça, mais j'ai senti sur ces 2-3 derniers jours, de jours bas en glucides, en fait, que ça commence vraiment à être dur, même niveau fatigue, j'enchaîne pas mal de trucs. Donc c'est plutôt dur de tenir totalement la journée, et à la fin de la journée tu crèves la dalle et t'es fatigué. Donc ça, je vais commencer à vraiment bien le sentir, je pense. Mais voilà, du coup vous connaissez la suite de tout ça. On va encore réfléchir, bien sûr, à que ce soit la date, la catégorie, la classe, parce qu'il y a aussi des classes, donc que ce soit par rapport à taille. C'est la taille. La taille, non, mais il y a même genre beginner. Donc, first timer, oui, ou des trucs comme ça. Ouais, junior, etc. Ouais. Il y a 20 000 catégories que j'avais vues, tu vois. Ouais. Donc, il y a pas mal de trucs à voir. Ça va être plutôt intéressant. La prochaine fois, on va vous parler un peu, du coup, de ce qu'on a réfléchi sur niveau date et niveau également classe, taille, enfin tout ça, tu vois. Et la catégorie. Donc voilà, les gars, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour le référencement, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.
avec Gucci elle le veut. En face la concu style event. Haute couture high level, avec Gucci elle le veut. En face la concu style event.